Strikes in the mix. Bon les gars, on se retrouve au spot. Vous pouvez voir, il y a une bonne ligne droite. Elle est énorme. Voilà, là, je suis là pour m'entraîner sur le frein arrière. Pour faire des wheelings. Je vais pas trop parler. Je vais attaquer direct. Il y a un peu de monde qui tourne. Mais là, il n'y a personne. Donc, je vais vraiment en profiter. Donc voilà, on se retrouve de suite sur la session wheeling. C'est parti. Dans le bain, c'est archi compliqué les gars, c'est incroyable. Allez, on y retourne. Mais là, il y a une fois où le frein m'a clairement sauvé. J'ai pas capté, j'ai mis un peu trop de gaz. Et coup de frein, ça commence à rentrer un peu. Allez, on y retourne. Je suis mort. C'est tout pour aujourd'hui les gars. Bon, j'ai les bras qui tirent, les jambes qui tiennent plus. C'est mort. Là, ça sert à rien de forcer les gars. J'ai plus de réflexes. Je me suis fait 2-3 frayeurs. Je pense que pour aujourd'hui, ça va suffire. Vous m'avez tous vu sur les réseaux, je lève des MT, je lève des R1, du GSXR, je fais 2 km sur la roue arrière. Je n'ai pas le frein, c'est bon? J'ai pas le frein. Et là, c'est en train de rentrer.
Donc la prochaine session, normalement, hop, la petite bavette, c'est sûr, ça va rentrer. Ah oui, d'accord. Ah non, même pas. Quand il démarre plus. Bon, qu'est-ce que je disais avant ce fail? Là, vous l'entendez tourner, c'est parce qu'il n'y a plus d'allumage. Enfin, il n'y a plus d'allumage. Il y a le faisceau, il merde. Donc, je l'ai démarré en poussant. J'ai plus de feu. Donc, on va devoir s'arrêter là. On va rentrer. Les amis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Vous avez promis ChatGPT dans l'automobile, ça va arriver. En attendant, je pense que la prochaine vidéo, ça sera ma progression dessus. À la prochaine.